Achète tes crédits futurs sur le site igvolt.fr, c'est un site fiable et rapide. Pour commenter crédit, clique sur le lien dans la description. Salut tout le monde, c'est Détre Fut, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part, ça va plutôt pas mal. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un squad builder d'une équipe très compétitive à 10 000 crédits. Donc c'est une brésilienne, place au squad builder. Au gardien, j'ai décidé de mettre Groé. Donc je sais pas si je le prononce correctement, vous me direz dans les commentaires. Donc je l'ai acheté pour 400 crédits, donc il fait 1m88, c'est plutôt grand, donc 75 de plongeon, 80 de positionnement, c'est plutôt pas mal pour un gardien avec 78 de général, et surtout je l'ai acheté pour 400 crédits, donc franchement, j'ai vraiment été conquis par ce joueur, de très bons arrêts, donc je vous le conseille. Mon défenseur central est Manuel, donc Manuel je l'ai acheté pour 500 crédits, donc il fait 1m81, 80 de physique, 75 de vitesse, je peux vous dire, vous le bougez pas comme ça, donc c'est ça qu'on aime. Il a 3 étoiles de mauvais pied, donc c'est parfait pour relancer, donc franchement je n'ai rien à redire sur ce joueur. Mon autre défenseur central est Breno, donc c'est dans le même genre on va dire, donc je l'ai acheté pour 400 crédits, donc il fait 1m87, il est plutôt imposant aussi, 73 de physique, 70 de vitesse, donc 75 de défense, et ce qui est bien avec ce joueur c'est qu'on peut relancer avec les deux pieds car il a 4 étoiles de mauvais pied, donc pour un joueur à 400 crédits avoir 4 étoiles de mauvais pied, c'est vraiment un point positif. Donc mon défenseur droit est Rocha, donc Rocha je l'ai acheté pour 400 crédits encore une fois, donc 84 de vitesse, 73 de physique, c'est plutôt pas mal pour un joueur à 400 crédits, 3 étoiles de mauvais pied, donc on peut faire des passes, relancer assez facilement sur les deux pieds, c'est ça qui est bien. Donc mon défenseur gauche est Martial, donc Martial je l'ai acheté encore une fois pour 400 crédits, donc les gars c'est presque tout le temps du 400 crédits, je vous le dis maintenant, donc 80 de vitesse, 73 de physique, 72 de défense, donc franchement c'est plutôt pas mal, donc c'est pareil encore pour une fois pour les relances, même pour aller centrer avec son 80 de vitesse, il y a largement moyen, et son physique donc il peut passer largement, il a 4 étoiles de mauvais pied, pour un joueur à 400 crédits avoir 4 étoiles de mauvais pied, c'est vraiment encore un très gros point positif, c'est moi qui vous le dis les gars. En milieu central, j'ai décidé de mettre Fred, donc Fred je l'ai acheté pour 400 crédits, donc 82 de vitesse, 64 de physique, donc ce qui est dommage avec ce joueur, c'est qu'il n'est pas très imposant avec son 1m69 et son 64 de vitesse, il a vite fait de se faire manger comme on dit, mais bon après il a 3 étoiles de geste technique avec un 82 de dribble, donc on peut éliminer le joueur grâce à un dribble, mais bon c'est pas toujours facile, donc après voilà, ça serait un peu son point négatif, mais bon son point positif est qu'on peut relancer avec ses deux pieds, donc car il a 4 étoiles de mauvais pied. Donc mon autre milieu central est... Les gars, faites pas comme moi, j'ai refait une connerie, mais je continue mes conneries. Là, je l'ai acheté en MDC, acheté le bien en MC. Donc c'est Silva, donc Lucas Silva, donc je l'ai acheté pour 400 crédits, donc joueur milieu central de l'Olympique de Marseille. Donc alors 66 de vitesse et 76 de physique, 74 de défense, je peux vous dire qu'il est là niveau défensivement. Il est plutôt physique avec son 1m82, j'ai bien aimé. Bon par contre pour les relances c'est 3 étoiles de mauvais pied, mais bon ça reste largement potable, je n'ai pas eu de soucis mis à part sa vitesse qui est un peu lente. Donc mon milieu offensif est Augusto, donc Augusto je l'ai acheté pour 400 crédits, 1m75, donc 74 de vitesse, 62 de physique. Bon, c'est pas énorme en regardant ça, mais par contre, vraiment le truc énorme, c'est qu'il a 4 étoiles de geste technique avec 80 de dribble, donc on peut se faire plaisir. Et il a 4 étoiles de mauvais pied, donc niveau relance, même les niveaux tir, il a 66 de tir, mais je trouve qu'il a largement plus. J'avais pas l'impression, ce ressenti d'avoir que 66 de tir, donc franchement, je vous le conseille. En attaquant gauche, j'ai décidé de mettre... Faites pas comme moi, l'acheter bien en AG. J'ai décidé de mettre Michel Bastos. Donc je l'ai acheté pour 400 crédits. Donc 84 de vitesse, 68 de physique. Donc ne tenez pas trop compte de son 68 de physique car j'ai trouvé beaucoup plus costaud. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Donc ce qui est bien avec ce joueur, sur le gros point positif, c'est qu'il a 4 étoiles de geste technique. Avec 80 de dribble, c'est plutôt pas mal. Mais bon après, son point négatif, c'est quand même qu'il a 2 étoiles de mauvais pied. C'est vrai que quand il tire sur son pied droit, c'est plutôt une catastrophe. Donc faut bien rester sur son pied gauche, les gars. Je vous le conseille. Si vous mettez sur son pied gauche, il n'y a aucun souci. Donc mon attaquant droit, j'ai décidé de mettre Diaz. Je sais pas encore qu'est-ce que j'ai fait là. Je suis quitté. On va aller sur Diaz, voilà. Donc je l'ai acheté pour 400 crédits. Donc 80 de vitesse, 59 de physique. C'est vrai que c'est pas très physique. C'est son point négatif, je dirais, parce que franchement, il se fait bouger très rapidement. Mais bon, avec ce joueur, on a une alternative car il a 4 étoiles de geste technique avec 79 de dribble. Donc on peut éliminer le joueur
avec un dribble, donc c'est ça qui est bien avec ce joueur, et il a 4 étoiles de mauvais pied, donc on peut frapper et passer, c'est génial, on peut faire avec tous ses deux pieds, donc c'est plutôt pas mal. Et en BU, j'ai décidé de mettre Gabriel, donc Gabriel, je l'ai acheté pour 400 crédits, donc 82 de vitesse, 55 de physique, encore une fois, c'est le physique qui va lui porter préjudice, donc 55 de physique, c'est vraiment limite les gars, franchement, faut pas trop avoir de duel avec, parce que c'est plutôt, il se fait plutôt virer très rapidement quoi. Donc après il a 3 étoiles de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique, donc 75 de tir. Il a une très bonne frappe, je trouve le 75, c'est un peu bizarre parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal niveau frappe. J'espère que le squad builder t'aura plu, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager. Donc je vous dis ciao les amis, à la prochaine.